Le soupçon est très lourd dans le monde policier ajaccien. D'abord parce qu'il pèse sur rien moins que le numéro 2 de la sécurité intérieure et son épouse, capitaine de police. Sur leur compte, la cellule Tracfin, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment, repère à l'été 2017 des flux de plusieurs centaines de milliers d'euros entre des sociétés civiles immobilières, propriété du couple, et une entreprise de BTP. Achat, rénovation et revente de logements, mais pas de salaire, aucune trace des ouvriers. La suspicion est forte de travail dissimulé et blanchiment. L'enquête est ouverte dans un premier temps par une première phase d'analyse financière. Ensuite, une phase de perquisition qui a eu lieu il y a quelques jours au domicile et dans les locaux professionnels des intéressés. Une autre phase d'analyse financière va se poursuivre, à l'issue de laquelle, peut-être encore une fois, les soupçons seront confirmés et s'en suivront des auditions. Villa autour de Bastelicatch, appartement dans le cœur de la ville et sur la route des Sanguinaires, c'est la police des polices qui a mené ces perquisitions. Les deux policiers soupçonnés seront entendus bientôt, mais aussi d'autres fonctionnaires qui leur auraient acheté des biens immobiliers.